Good morning, Aleïdan, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Claude Shlomo ben Shalom David ben Sorto Mazal Fritna Lucienne Bat Reina et Robert Baruch ben Jemit Arba Cohen. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Sota, Perikhe, Mishnah Aleph. Keshem Shamaim Bodkin Ota, Kar Hamaim Bodkin Oto, Shene Emar Uvaou, Uvaou. Keshem Shasura la Baal, Kar Hasura la Boel, Shene Emar Nitmea Ve Nitmea. Livré Rabbi Akiva, Amar Rabbi Yoshua, Kacha Yadorech Sra Menakatsav. Rabbi Omer, Shne Peamim Amurim Baparasha, Im Nitmea, Nitmea, Echad Abal, Echad Aboel. On a deux petits sujets dans notre Mishnah. On va avoir un Perek qui va nous parler de beaucoup de drachot. On va se promener un petit peu dans plein d'autres sujets de la Torah. On expliquera le rapport entre chacun. Pour le moment, on a deux drachot qui concernent la Sota, avec la première qui est Keshem Shamaim Bodkin Ota, Kar Hamaim Bodkin Oto. De même que l'eau de la Sota, l'eau amère maudite, va être Bodkin Ota, va vérifier la femme, est-ce qu'elle a fauté ou non. Kar Hamaim Bodkin Oto, de même les eaux de la Sota vont le vérifier. La question c'est qui? Qui va-t-on vérifier dans ça? On va expliquer dans quelques secondes. D'abord, je finis la phrase, chez Nehemar, comme on a dit du pasouk, qui a marqué Ubaou, Ubaou. Comme le pasouk est dit à deux reprises là-bas dans la parashat de la Sota, que et cette eau viendra dans ses entrailles, et cette eau viendront dans ses entrailles. Donc il y a Ubaou, Ubaou. On apprend pour nous dire qu'en plus de la femme qui va se faire, qui va gonfler et se décomposer pour mourir, eh bien, il va y avoir aussi un homme qui va se décomposer. De quel homme parle-t-on? On a deux possibilités, c'est simple. Soit on a le mari, parce que lui aussi, c'est un petit coquin, ou soit on a le Boel. La Gemara prouve qu'il ne peut pas s'agir du mari, parce que si le mari lui-même est à fauter avec une autre femme mariée, bien, tout simplement, l'eau ne va pas la vérifier sa femme, ni lui. Donc, on n'est pas dans une situation où l'eau va vérifier l'homme ou la femme. Et donc, la Gemara comprend qu'en fait, en réalité, c'est le mari. Ça veut dire qu'en fait, lui, il a fait ce qu'il a fait, pas comment on va l'appeler, l'amant, celui qui a trompé, quoi, qui est passé avec cette femme mariée. Lui, maintenant, il est en ce moment au travail ou peu importe où. Il y a la femme avec qui il a eu son écart, qui est au Batamigdash, qui est en train de boire de l'eau. Dès qu'elle finit de boire, elle gonfle, elle se décompose, et lui aussi est en train de gonfler, se décomposer tout de suite, d'accord? Et ça, c'est déduit du passage qui a dit « Ouvaou, Ouvaou ». Première dracha, on l'a fini. Deuxième dracha, c'est Keshem Shahasura la Baal, Kachasura la Boel, autant qu'elle est interdite au mari, elle est interdite aussi à celui avec qui elle a commis l'écart. C'est une halakha que Shenemar, comme nous dit le Pasuk, Nitmea ve Nitmea. Le Pasuk, il a insisté en rajoutant un vav supplémentaire, au lieu de nous dire qu'elle est devenue impure, le Pasuk insiste ve Nitmea. On a une règle comme un vav mosif, on a un vav en plus qui vient pour t'apprendre, pour faire une halakha, un itour ça s'appelle. Un mot en plus, une lettre en plus, pour nous apprendre donc qu'elle est interdite au mari et à Oyo Boel. D'accord pour le moment, c'est clair? C'est une halakha connue en général, quoi. On avait déjà évoqué depuis la première Mishnah déjà que il y a trois fois Vénit. Mais ah, peu importe, là pour. C'est-à-dire, on nous dit qu'elle est interdite de rester chez son mari lorsqu'elle a eu cet écart. Si le mari va divorcer, alors on a le droit de se marier avec la personne avec qui elle est soupçonnée. Donc ça, elle a même interdit de manger de la trauma aussi, si elle est cohérente. La Mishnah maintenant continue en me disant donc que Nitmea, ve Nitmea, on apprend ça en fait pas qu'il y a un mot supplémentaire de Nitmea, mais qu'il y a un vav supplémentaire. Ça c'est l'avis de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua il atteste, il dit, Kach hayadoresh Zecharia ben Akatsav. Ainsi avait l'habitude d'interpréter le pasuk Zecharia ben Akatsav comme toi Rabbi Akiva. À exclure par contre que Rabbi Omer, selon Rabbi, Shne Peamim Amurim Baparasha im Nitmea, Nitmea, Echadabal Echadaboel. Lui, Rabbi, il déduit cette dracha de l'interdire au mari comme, à celui qui a commis l'adultère. Il déduit ça du fait que la Torah, elle a dit deux fois le mot et elle est devenue impure. Im Nitmea. Et ensuite, il nous a fait Nitmea. Pas sur le fait qu'on a rajouté une lettre en plus, qu'on a dit avec un vav supplémentaire. Il y a juste comment, une marquette, comment déduire ça des psukim
de la Torah, mais quoi qu'il arrive, tout le monde arrive à la même conclusion. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.